Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Civilization 5 dans lequel nous jouons le Venise. Je sais plus du tout ce que j'avais fait l'épisode d'avant. Honnêtement, je ne sais plus du tout. Et on n'avait pas récupéré une cité-état, j'ai encore eu peur, non, c'est plutôt pas les barbares, je me suis fait avoir, ça je me souviens. Oui, j'avais récupéré Vancouver. Et j'avais transmis un peu de ma religion à Erevan Ormus. La pression religieuse est dégueu. Hein? Là, c'est mieux. Là, c'est pas ouf. Là, c'est. C'est dégueulasse. Bah, enfin, les mecs. Bon, je veux bien qu'il y trois villes. Mais bon, quand même. Un peu déçu quoi. Ah, je peux acheter des unis, ça c'est pas mal. Bon, c'est pas grave, on jouera pas là-dessus. Hop, navire marchand, c'est reparti. On faisait plus d'argent avec les cités-états. Hein. Bogota 17, 17, 17, 17, 18, Wellington. Allez hop, c'est parti. seize, 17. Alors, on va envoyer à Panama. Oh non, à Ormus. Ça augmente un peu la pression religieuse. Ça donne autant d'or. Pas se priver. Ah oui, c'est vrai qu'on est riche. Trop bien. Pour faire des trucs. Sûrement une écurie. Sûrement une écurie, ça me permettra d'augmenter un peu la production de Venise. Pas dire non. Pour de pizza, congrès mondial. C'est vrai que là, je vais sûrement fonder le congrès mondial aussi. Babylone est là, ok. Bon, en tout cas, Venise commence à grandir un peu. On a quelques villes de ci, de là. Diplomatiquement, Japon prudent. Ah, juste pour les cités-états. Bon, surtout, on est copains avec Gandhi, Bismarck et. Et l'Éthiopie. Le Mongol, il a pété un câble. Je ne veux pas être ami avec lui. Hors de question. Je vais me permettre d'acheter des écuries pour la production. Caserne. Caserne ou rempart? Une caravanserai, ouais. Ça m'augmente la portée des routes commerciales. Alors, je sais pas après si c'est route commerciale, maritime ou terrestre. Si c'est que terrestre ou pas. Non! Il me manquait 3 tours! Ah, c'est dégueulasse. Commence à m'énerver. Ils font toutes mes merveilles là. Ah, c'est d'un triste. C'est d'un triste. Purée, je suis dégoûté. Il est du devoir d'un journal d'imprimer l'actualité et de semer la pagaille. Bienvenue dans la Renaissance. Ça va, on est un peu en avance. Putain, par contre. Le coup dur est dur. Hein, ok, ça a été transformé en or, mais. Terrible. Vraiment terrible. Côté techno, je vais prendre un coup d'avance et je vais foncer sur la navigation, j'ai pas le choix. Ouais, bon, on va aller là. J'ai un espion, alors.
technologiquement chez qui je pourrais voler des... Bon, je sais, chez eux. Je voulais bien m'entendre avec eux, et puis... Très vite... Ah, potentiel pas ouf. Civilisation. Très vite, bah, ils ont commencé à m'énerver. Et non... Non, mais ça... Le Pékin, allez. Un espion. Essayer de voler de la... Un techno. Hein. Ah, c'est fou, ça. Unlucky, c'est pas grave. Chaque fois, ça me fait flipper, là. Chaque fois que je vois un petit truc rouge, là, ça me fait flipper. Oui, c'est vrai, ça d'ailleurs, j'ai un... Un artiste illustre. Venise a découvert toutes les civilisations du monde. Pour fêter cet événement, les dirigeants du monde entier se réuniront sur la première conférence de Venise. Ah. Cette ère, deux délégués. Votre civilisation, un délégué. Ouais. Plus zéro, ok. Et ère suivante, j'aurai un délégué par cité-état alliée. Et ça, c'est bien. Donc il faut que je manie avec un maximum de cité-état. De toute façon, c'est le but de Venise, tu me diras. Ah, zut. Bah tiens, je vais envoyer les guerriers Mouak. Oh la vache, ouais, ça dure longtemps. C'est pas grave, ils ont que ça à faire, entre guillemets. Je propose un petit embargo sur la Mongolie. Hein. Ouais, c'est ça, Mongolie-Chine, ils sont contents. Ils sont alliés, hein. C'est pour ça. C'est bien, ça va mettre eux, ils vont être énervés. Ça, ils vont pas être contents, ça m'arrange. Et la Mongolie non plus, je suppose. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Faudrait que. Je me demande si j'ai la portée. Ah ouais, non, c'est vrai que le passage il se fait que là. Je devrais avoir la portée d'accéder à ces cités-états. Elle n'a pas pu monter plus. Ah non, il y a de la glace. Ah, dommage. C'est pas grave. Elisabeth rentre aussi dans la Renaissance. Ok. Ah, j'ai du poisson. Là c'est bon. Et là c'est bon. Là aussi. Alors on va apporter un peu d'autres. Encore un peu de poisson à Venise. Oh la vache. Réveille un peu plus tard. Hop, bateau atelier. Et je vais faire un repas. Alors eux ils m'énervent. On avait découvert Bruxelles. Tout ce beau poisson. Il est frais, mon poisson! Même pas peur. Écurie, ça c'est bien. Et atelier, parfait!
Premier en population en récolte, deuxième en en produits manufacturés, premier en PIB, territoire on est troisième, c'est pas dégueu. Et on n'est pas loin derrière les premiers. Bon, soldat, ça c'est pas ma faute. J'aimerais bien en avoir moins. En fait, si je parais faible, d'autres civilisations pourraient me déclarer la guerre. Donc je passerai pas comme un belliqueux. Si je prends leur ville, bien évidemment. Allez, continue ton tour du monde. Ah ouais! Ah ouais, donc 3-4 tours, 2 campements barbares, c'est. Ok. Pour les aider, faudrait que je les transforme. Espero que este trato reciba su bendición. Toi, tu faisais des trucs bizarres, toi. Non. Les archers, faudrait que je les transforme en archers composites, puis en arbalétriers. Ouais, autant dire. Ça a gaspillé entre guillemets 2 tours, mais je vais les prendre et je vais leur demander. Je vais leur redonner ça. Machu Picchu, il est magnifique quand même. Ah, ils font des allers-retours pour rien. Encore? Mais dis donc. Ah, dommage, ça le termine pas. Plus d'or, plus de nourriture, plus de production. Ah oui, pourquoi j'ai pas la prod? Peut-être le temps que ça se fasse, que ça se prenne en compte. Ah, la case est trop loin de la ville. Ça doit être un truc comme ça. Ouais. La case est trop loin de la ville, elle peut pas être. Je sais plus comment on dit ça, mais. Exploiter? C'est ça, exploiter. Dommage. Bon, ça me rapporte toujours de l'or et de la bouffe. Oh, le nombre de navires marchands, c'est génial. Ok, base balique. C'est vrai que j'ai une ville là. J'ai mon arbalétrier qui est arrivé. Pour défendre la ville au cas où. Au cas où les Mongols auraient envie de la prendre. D'ailleurs, c'est quoi le. Savant résident. Non. Je suis pas d'accord. L'éducation est ce que les anciens ont à offrir de plus précieux. T'as pas volé de technologie, ah bah super. Allons voir à qui je pourrais en voler. Neutre. Je vais envoyer en Angleterre. Je sais qu'elle est pas mal développée. Et qu'il y a une grosse ville. Sera inaperçu. Bientôt on aura la caravelle. C'est moins accéléré, ok. L'observatoire. Ah oui, on pourra faire un observatoire. C'est vrai qu'au niveau science, là, ça va l'augmenter pas mal. Est-ce que Venise produit 62 de science? Si je peux faire un plus 30, ce serait cool. Ce serait même très cool. Merci les étoiles.
Anouisme, ça propage à Bogota, ça c'est cool, ils sont contents. C'est toujours pas ça, hein, par contre. Almaty. Les agrumes, mon ami, je sais pas où il y en a. Hein. J'ai un char ici. J'avais oublié. Nonangorheik. Ouais, ça me va. Ça te dort. Impeccable. Surtout que j'ai du bonheur à foison. Donc. Moi aussi, ça c'est un vieil ami commerçant, donc on va pas dire non. Alors, tiens, on va voir les calculs, comment ça se marche, comment ça se marche, comment ça marche. Que le théâtre du globe soit construit. Oula. Peut-être. Peut-être. On va voir. Acheter université. Oh merde. Non, bon, ça a pas fait. On est passé de 70 et des poussières. D'accord, le modificateur se cumule en fait. Ok. Ok. Il avance. Et j'en avais pas envoyé un là. Genre lui là, je lui avais pas dit d'aller là. Attends, il se déplace vite lui. Ah oui, c'est le bonus du Kilimanjaro. Il est où ce Kilimanjaro déjà que j'y envoie mes unités dessus, ce serait cool. Je sais plus. Attends, je retrouve le Kilimanjaro. Ouais, le bonus qui permet. Faut deux déplacements sur les collines. Ça c'est fort. C'est très fort. Alors. Prague. Bonjour à vous. Ah, on peut finir le mécénat. En adoptant toutes les doctrines du mécénat, les cités italiennes, vous offrez parfois spontanément des personnages illustres. Et ça, c'est bon, ça. Et quantité de ressources de luxe augmentée, je suis à 37 de bonheur grâce à ça. Parfait. Alors, je sais pas où est-ce qu'il va l'envoyer son colon, mais. Je suis pas serein. Là, il va pas l'envoyer là, mais il pourrait l'envoyer là-bas. Alors là. Je ne serais mais pas du tout content. Pourrait l'envoyer par là-bas aussi. Bon après c'est des déserts. Ce sont des déserts. Je vais vérifier et au cas où j'achèterai des cases. Si jamais je vois qu'il part par là, je vais acheter des cases pour l'embêter. Doucement sur les applaudissements. C'est un très vieux bâtiment. Et ce qui fait qu'on a un personnage illustre au choix. Un ingénieur illustre, bien évidemment. Parce que là, on a le théâtre du globe à faire. Là, il peut pas aller là. Je sais pas où il veut aller, peut-être là-bas. Témoac? Non, quand même, ce serait un peu méchant. Non, tu me diras, ce sera méchant dans tous les cas. Pour aller là-bas aussi.
C'est bien ça, c'est une case de forêt. Totus mundus agit istolinem. Istrionem, istrionem. Le monde entier est un théâtre. Hop, alors, est-ce que je peux faire... Oui, on va créer un chef-d'œuvre. Frappe, et il ouvrira la porte. Disparaît, et il te fera briller comme le soleil. Si tu tombes, il te relèvera jusqu'aux cieux. Deviens néant, et il te transformera en tout. J'ai pas tout compris. Mais ok. Allez, on va faire... Ah. Personnage illustre. 25% de... Ouais, c'est pas mal. Bon, où c'est que tu vas, toi? Tu te décides? Elle est dans le désert, là, regarde, il y a un petit désert, là, il y a des petites cases libres. Oula! Alors, je vais retirer le libre passage, hein, et vite. Oui, travaillons ensemble aujourd'hui. Ah, l'ingénieur élu, je l'ai eu il y a 2 tours, ah, t'abuses. Bon, mais dans ça quand même. Quoique je suis... Je croyais être pas si loin de l'avoir, mais non. Je pourrais entrer dans un âge d'or, mais non. Pas intéressant. Bon, il va où lui? Ah, un chevalier, tiens. Hop, alors je vais l'acheter en même temps, pas en plus. Oh non, y'a rien d'intéressant là. Non, non, c'est pas plus intéressant que ça, là, niveau achat, donc je vais passer. Je cherche un endroit pour s'installer. Faudrait que j'achète les 2 cases là, ou alors cette case de montagne, mais je crois que c'est trop loin. Es wäre in eurem Interesse, dass ihr dieses Angebot sort. Oui. Les piquer. Ah bah enfin, j'y croyais plus. Ils ont enfin ma religion, quoi. Comme quoi tout arrive. Éthiopie, la Mongolie, pardon. Bah non. Oulalalalala, qu'est-ce qu'ils nous font l'Éthiopie là? Jamais je deviens ami avec lui, hein. Un perfide pervers. Bah merci sinon pour le trébuchet. Ah, je vais se régénérer tranquillement. Bien, on a acheté une mosquée à Manille.
Je te nage toujours dans l'eau, hein, par contre, hein, c'est fou. Le grand phare, il est placé où il faut. L'oracle. Pas loin de la montagne, hein, mais bon. La tour de Pizza, elle est... Ah bah en plein dans le fleuve. Putain. Oh là là. C'est ça qui est beau. Un peu d'eau. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse des chevaliers, moi, enfin. C'est quoi, continuer à explorer le monde, allez. Des chevaliers explorateurs, là. Faites-vous plaisir, les gars. Ok. On va avoir l'épopée nationale. On enchaînera sur... je sais plus ce que c'était. C'est quand même la taille. La Biblos, heureusement que c'est une île, ils savent qu'il faut pas construire trop dans la mer. Le jeu a réussi à développer, à faire en sorte que les maisons, les habitations ne popent pas dans la mer, les bâtiments ne popent pas dans la mer. Mais pas les merveilles. Et le divin Ulysse, joyeux, déploya ses voiles au vent propice. Et s'étant assis à la barre, il gouvernait habilement. Eh oui, gouvernait habilement. Hop, université d'Oxford. Et là, Venise, on va faire... un observatoire, donc il passe de 85 de science à 108. Oh, c'est propre. C'est propre, hein. Là, Venise, scientifiquement. Putain, je peux rien voler, sérieux. Bon, bah, je vais mettre en contre-espionnage à Venise. Parce que par contre, on va venir m'envoler, moi je vous le dis. Allez voir qu'ils vont venir m'en prendre, des technologies. Hein. Déplacement autour. Potentiel. Ah ouais, 10 000. 11 000. Vache. Ouais, sacré potentiel quand même. Et on va bientôt avoir les frégates. Et j'ai pas de fer. Ah si, j'en ai là. J'en ai combien? 6. Oh ouais, c'est bon. Après, c'est pas tant que ça, mais c'est suffisant. Ah! Des archers composites, on va aller chercher. Ah ouais, je pensais pas que je le prendrais en un tour. Petit coup de chance. Toi tu iras là. Ouais. Bon, on sait ce qu'il veut faire. Putain, il faut absolument que j'achète la case. C'est terrible. Je vais fonder une ville à deux endroits, cette case là ou cette case là. Il faudrait que j'aille poser des unités dessus pour pas qu'ils puissent le prendre, mais... C'est trop tard. Si j'achète cette case, il y a moyen, ouais. Ça passe, mais là je peux pas, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 4ème. Tiens, je manque d'ouvriers par contre. Ils sont où mes ouvriers? Ils sont tous partis là-bas? Ah ouais. Alors... non, c'est pas ça que je... Pas le choix. Allez, moi, ok. Tu vas te mettre là, toi tu vas te mettre là. Venise, acheter une case. Ouais, c'est ce que je pensais, je peux pas. Je peux arriver là, 5 tours. Ouais. Essayez. Putain, par s'ils font une ville là, je suis dévasté. Je serais obligé de dénoncer, etc. Parce qu'en plus, il va la prendre. Enfin, c'est possible qu'il la prenne. Il y a du blé, il y a du poisson, c'est tout. Mais il y a du blé et du poisson, il sera content.
Et bon, s'il me prend ça. J'irai lui récupérer la ville, tout simplement. Hop, on se soigne. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont le bonus du Kilimanjaro. Le Japon a dénoncé la Mongolie. Ah, bon, on va peut-être bien s'entendre avec eux. Ok, bon, ils veulent pas prendre ça au coin. En plus, aller par là-bas. La Mongolie et l'Inde sont amis, putain, c'est pas... non. Peut-être devoir changer d'allié, moi. Ouais, ils se sont fait bouffer, oui, ok, je comprends, mais quand même. Ils sont dans l'amphithéâtre, comment c'est? Laisse-moi jouer ce que je veux, s'il te plaît. Merci. Hop. Là, c'est fait. Le campement. Allez, c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain épisode, on va voir si on garde ce trio slash quatuor amitié. Alors avec Bismarck, oui, parce qu'il n'a pas signé d'amitié avec avec le Mongol. Mais moi, je suis pas chaud. Je suis pas chaud de continuer avec l'Inde et l'Éthiopie. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt, peut-être demain, je crois, je ne sais plus, pour le prochain. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, c'était Yob. Ciao.